Et bonjour à tous et à toutes, c'est Link Enchaîné pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon petit tutoriel comment hacker sa Wii de A à Z. Et oui, je vais vous expliquer comment pouvoir lancer des backups Wii en plus de la hacker. Donc ma Wii je l'ai déjà hacké, hein. J'ai plein de jeux dessus, notamment Mario Party 9 que je compte vous en faire un vidéo test. J'ai mis l'ISO de Mario Party 9 sur une clé USB de, je crois qu'elle fait 32 Go, ouais, 32 Go, et je la mets dans l'USB Loader GX et du coup je peux jouer à Mario Party 9, enfin bref, je télécharge tous les jeux que je veux et je peux y jouer la plupart du temps, les trois quarts du temps, enfin même plus des trois quarts du temps, je dirais 95% du temps, ça marche. Donc voilà, en fait vous payez plus pour vos jeux, oui, c'est quand même pas mal. Donc la première partie de ce tutoriel consiste donc là je vous parle pour hacker une Wii en 4.3. Voilà. Donc pour hacker une Wii en 4.3. Si vous voulez hacker une Wii en 4.2, je crois que ça marche aussi. Je crois que la méthode elle marche aussi. Mais déjà, sachez que la méthode marche pour le 4.3. Donc voilà. Par contre, si vous avez... Alors apparemment il y a une dernière mise à jour, je sais pas, je crois que c'est la 4.4, je sais plus ce que c'est. Bon, je l'ai pas faite hein, parce qu'il faut pas que je la fasse. Parce que j'ai installé un logiciel qui s'appelle Preloader et qui m'empêche de faire les mises à jour. Parce que si je fais la mise à jour dans le crack, je pense que vous l'aurez deviné, c'est pas bon et ça va faire tout péter. Donc j'ai installé un truc qui empêche les mises à jour. Enfin bref, donc apparemment il y a une nouvelle mise à jour, donc faut pas la faire. J'espère que vous êtes toujours en 4.3 pour vous. Si vous êtes en 4.3, au moins ce tutoriel va fonctionner. Si vous êtes plus, ça va pas marcher. Voilà. Donc votre Wii doit être connecté à internet. Voilà, c'est nécessaire. Ensuite, vous devez avoir une carte SD de 2 Go minimum. Après, bon, ça c'est le requis. Après, si vous voulez pouvoir jouer à des jeux Wii gratuitement, donc en gros vous téléchargez le jeu Wii sur internet et vous y jouez gratuitement sur votre Wii, il va falloir au moins une clé USB de 8 Go minimum, je dirais. 4, ça marche, mais c'est encore juste. 8 Go minimum et récente. C'est-à-dire qu'elle doit supporter le formatage en 64 kilooctets. Bah, je vous montrerai ce que c'est, parce que là, c'est un petit peu flou dans vos têtes. Mais si vous voulez pas que ça rame, donc si vous voulez que ça soit exactement pareil que si vous jouez avec le disque, il va falloir formater en 64 kilooctets. Voilà. Donc, nécessaire une carte SD et une Wii connectée à Internet. Si vous n'avez pas ces deux requis, ben, ne continuez pas le tutoriel, ça sert à rien, vous serez bloqué. Voilà. Ah oui, c'est nécessaire aussi d'avoir de la patience parce que c'est légèrement long. Voilà. Allez, je vous dis bye bye et on se retrouve à tout de suite pour la première partie du tutoriel qui consiste à pouvoir envoyer le hack vers la Wii, si je veux dire ça. Si je peux dire ça. Donc voilà, on se retrouve pour la première partie de ce tutoriel. Et Pour la première partie de ce tutoriel, il va falloir aller sur pleasehackme.com. Donc vous voyez l'adresse, de toute façon je vais vous la mettre normalement dans la description si j'oublie pas. Je vais essayer. Donc en fait ça consiste à envoyer le hack sur votre Wii en fait. Vous savez, par le système de messagerie de la Wii, ça va vous l'envoyer. Donc d'abord vous allez avoir besoin d'une Wii qui est internet, je vous l'ai dit. Donc en fait ça s'appelle Litterbomb. Donc là, système menu version, donc vous mettez, donc voilà, oui, en fait c'est fonctionnel que avec les 4.3, je crois. Donc c'est pour la 4.3. Voilà. Donc vous mettez 4.3E. Parce que si vous avez, alors si vous avez une Wii européenne, pour la plupart du temps, vous mettez 4.3E. Si vous avez une Wii USA, vous mettez 4.3U, japonaise 4.3J, et coréenne 4.3K. Voilà. Donc moi je vais mettre 4.3E parce que c'est une Wii européenne. Et là, il vous faudra l'adresse MAC de votre Wii. En fait, c'est un petit peu comme une. Comment dire? Comme une adresse. Comme votre numéro de téléphone, en fait, si vous voulez, mais pour la Wii. Non, en fait, n'importe quoi. En fait, c'est une adresse. C'est un petit peu comme l'adresse de chez vous, par exemple. Hein. Donc, en fait, ça. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est comme si vous demandez. Comme si vous remplissez un formulaire. Que dedans vous dites votre adresse où vous habitez pour que la lettre puisse vous être envoyée correctement. Voilà, c'est pareil pour la Wii. Donc là, il vous faudra l'adresse MAC de votre Wii. Donc on se trouve sur la Wii pour que je vous montre où c'est exactement. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, donc on se trouve sur la Wii. Donc voilà. Donc, je vais au menu de la Wii. Donc si vous entendez pas le son de la console, c'est pas grave. De toute façon, vous en avez pas besoin.
Donc, on va aller dans les options de la Wii, qui se trouve ici. Vous allez dans paramètres Wii. Voilà. Alors, je crois que la Wii est en 4.3. Je sais. Voilà, elle est en 4.3 européenne, la Wii. Donc, maintenant, on va aller dans. Si je me souviens bien, c'est. Voilà, c'est là. Internet. Merde. Ah putain. Internet. Voilà. Vous allez dans information générale. Qui est ici. Et là, vous voyez adresse MAC. VLAN. Donc 0. Bon, moi, voilà. Vous voyez mon adresse. Donc, je vais à présent. Je sais pas si je dois me masquer. Bon, on verra. Donc, cette adresse-là, vous la copiez sur donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, please hack me. Voilà. Donc, on se retrouve de nouveau sur, sur please hack me pour continuer le hack. Donc, voilà. Après avoir copié l'adresse MAC de votre Wii, donc vous la recopiez ici, donc dans ce champ. Donc, voilà, vous remplissez, etc. Et merde. Moi, je ne m'en rappelle plus l'adresse de ma Wii. Voilà, là. Enfin, c'est pas ma Wii en plus. Hein. Je vous l'ai déjà dit. C'est pas ma Wii. Hop. Voilà, donc vous copiez, bon, vous copiez tous les champs. Une fois tous les champs copiés, vous entrez. Donc là, vous mettez bundle the Acme installer for me. Vous cochez, très important. Si vous voulez pouvoir faire une sauvegarde de votre Wii en cas de problème, truc comme ça. Donc là, vous marquez le captcha. Donc Henri, putain, c'est captcha de merde. Et là, vous mettez cut the red wide. Waouh, putain, oh là là. Putain, j'ai un bon accent d'anglais, mais en vidéo, j'y arrive jamais. Cut the red wire ou cut the blue wire. En fait, ça vous permet de choisir la couleur de votre lettre. Donc, c'est pas très important. Moi, je mets bleu. Voilà. Donc, là, ça va télécharger ce package. Vous l'ouvrez. Et tout le contenu qui est là, vous le copiez. Et merde. Vous le copiez sur votre carte SD que j'ai oublié de mettre. Ah, moi je suis Monsieur Fail. Hein. Donc là, vous allez là-dedans. Moi, je crois que je l'ai déjà mis, je crois. Oui, voilà. Donc, moi, je vais le supprimer. Voilà. Et donc là, vous copiez donc tous les fichiers. Donc, je sais pas, avec WinRAR ou 7-Zip, ce que vous avez. Vous les prenez tous et vous les copiez dans la carte SD. Voilà. Donc, ma carte SD est vide. Mais normalement, si elle est pleine, elle ressemble à ça. Voilà. Normalement, on ressemble à ça quand elle est pleine. Mais c'est juste que là, je l'ai vidé pour faire le tuto. Donc voilà. Et quand vous vous retrouvez avec ce contenu, c'est bon. Maintenant, il y a juste à mettre votre carte SD dans la Wii. Allez, à tout de suite. Ça y est, on se retrouve pour la seconde partie, à voir l'homme rouge Chanel. Donc je vous rappelle, je suis pas sur ma Wii, parce que sur ma Wii, il y a beaucoup plus de trucs. Déjà, moi, j'ai acheté plein de jeux de la console virtuelle. Enfin, bref, je vous ai dit, je hack pas ma Wii. Je hack la Wii de quelqu'un et en même temps, j'en profite pour faire un tutoriel. Donc, vous allez dans la messagerie de votre Wii. Là, si vous voyez pas de nouveaux messages, c'est normal. Vous allez soit un jour en arrière ou plusieurs jours en arrière. Donc, sachant qu'il faut que vous ayez inséré votre carte SD dans votre Wii. Hein. J'ai oublié de préciser. Votre carte SD, après avoir copié les fichiers, il faut l'insérer dans la Wii. Ok. Donc, une fois ceci fait... Donc vous allez dans le système de messagerie de la Wii. Voilà, donc ici. Et vous allez soit un jour ou plusieurs jours en arrière. Moi je vais plusieurs jours en arrière. Voilà, là je m'en trouve donc là. Et je lance ça. Donc là vous voyez ceci. Donc là vous voyez ceci, valid elf image detected. Là vous voyez this software, bon ça c'est pour vous prévenir qu'il faut pas vendre ce logiciel parce qu'il est gratuit. Donc là, il faut attendre un petit moment. Voilà. Donc en fait, ça charge les données en même temps. Voilà. Et là, il va se demander d'appuyer sur 1, normalement. Je crois, au bout d'un certain moment. Donc voilà, on attend. Donc là, on n'est pas à la fin du tuto, mais on n'est pas au début non plus. Donc on a pas mal avancé. Voilà, j'attends un petit peu. Ça, c'est chiant, faut attendre un petit peu. Voilà. Voilà, maintenant, presse 1, tout continue. Donc là, vous voyez... ceci. Donc voilà, là vous voyez the test result are in Homebrew Channel et Boot Me. Ça c'est, ça vous dit ce qui peut être installé. Vous appuyez sur A. Vous allez dans install the Homebrew Channel. Vous appuyez sur A. Vous faites install the Homebrew Channel now, vous faites yes continue. Installing the Homebrew Channel. Voilà, success. Donc voilà. Maintenant, Boot Me.
Non, boot me, il est installé dedans, ça va. Faites exit et votre Wii va revenir normalement. Voilà. Et voilà, donc là vous avez l'Homebrew Channel, donc je vous montre où elle est. Je fais retour au menu système. Donc je vais vous montrer où elle est. Donc celui qui veut que j'aille sa Wii veut que je le mette au milieu. Sans moi, il n'aura pas à la chercher. Donc là voilà, elle est ici. Hein, si tu savais. Donc la chaîne disque, on va l'enlever parce qu'après tu n'en as plus besoin. Donc bah, la chaîne Mi, on enlève quoi? J'ai une photo, tiens. Ouais, voilà. Attends, j'ai une photo et. Donc on la met là, on la met là. Homebrew Channel. Donc vous voyez que votre Wii déjà, on a déjà pas mal avancé. Voilà, The Homebrew Channel, yes, ça marche. On se retrouve pour la troisième partie du tuto qui est installer USB Loader GX sur le bureau de votre Wii. Et enfin, la dernière partie, pouvoir mettre les jeux Wii sur votre Wii, pouvoir les lancer. Donc voilà, donc là vous voyez, je suis sur la Homebrew Channel. Si c'est vide, c'est normal. Allez, on se retrouve pour la troisième partie, à tout de suite. Donc nous revoilà pour la troisième partie, donc j'ai Litter Bomb qui est là, mais bon. Vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le fermer, moi je vais le laisser. Donc va falloir vous rendre sur usblogrgx.coreo.net/download, ou non, vous rendez sur usblogrgx.coreo.net. Après vous allez dans download, moi j'y suis déjà. Et là vous tapez, donc là, enfin là, il y a écrit usblogrgx easy installer, last test. Cliquez sur View, patientez longtemps. Donc une fois, voilà, non, c'est pas censé durer si longtemps que ça. Donc là, USB Loader GX underscore installer underscore version 1.8.exe, cliquez. Et là vous cliquez. Voilà, donc là vous avez l'exe qui est là. Vous cliquez, faites exécuter. Donc là voilà, USB Loader GX, suivez les étapes pour installer USB Loader GX, important, l'installation nécessite un accès internet. Suivant, donc là vous mettez chaîne USB Loader GX, c'est-à-dire que ça va vous installer la... Bah oui, vous mettez chaîne USB Loader GX si vous voulez avoir la chaîne sur votre bureau, oui. Au lieu de passer par Homebrew Channel, USB Loader GX, mais bon, nous on va pas le faire, ça sert à rien. Donc voilà, vous mettez juste USB Loader GX et langue, vous mettez chemin USB, vous mettez français, c'est peut-être mieux. Non, vous mettez anglais et après normalement il va... Bon, vous mettez français. Voilà, donc vous allez dans French. Langue, French. Chemin SD, compte chemin SD et vous mettez French. Voilà, et vous mettez USB Loader GX, heureusement parce que sinon ça sert à rien. Donc une fois USB Loader GX et French coché, vous cliquez sur suivant. Là, vous cliquez sur parcourir et vous allez dans ordinateur, carte SD. Et c'est... Oui, donc j'ai oublié de supprimer le contenu. Vous allez dans carte SD. Cliquez sur carte SD. Cliquez simplement. Voilà. Oui, c'est bon. Attendez, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Parce que moi, j'oublie toujours quelque chose. Non, oui, j'oublie quelque chose. Là, une fois que... Bon, une fois que vous avez fini avec l'installation du hack de votre Wii, vous supprimez. Voilà. Et vous créez un dossier apps. Donc là vous faites clic droit, nouveau apps. Voilà. Donc là voilà, vous fermez ça. Moi je vais supprimer dans la corbeille. Donc je vais passer par là. Je sais, vous vous demandez pourquoi je me casse le cul, elle est là. Parce que bon, pas grave. Je vais prendre après. Donc vous allez dans carte SD. Une fois que votre dossier apps est créé, vous allez dans apps. Et vous faites OK. Donc là, ça doit ressembler à ça. Et là, au début, c'est la lettre de votre carte SD. Faites installer. Donc là, vous attendez. Donc en fait, ça télécharge les fichiers nécessaires. Voilà. Voilà, donc vous patientez, vous patientez, vous patientez. Allez, je coupe. On se retrouve après. Je vais vous épargner ce moment d'attente. Allez, à tout de suite. Ah là là, voilà, je vous ai enfin épargné ce moment d'attente. Bon, ça durait quand même une petite minute et demie. Voilà, enfin après ça dépend de votre connexion internet et de votre ordinateur. Afficher le fichier README, ça sert à rien, vous l'enlevez. Faites fermer. Voilà. Donc maintenant on se retrouve sur la Wii, déjà.
Donc vous vérifiez bien que dans votre carte SD, il y ait apps, USB Loader GX et tout le bordel. Donc voilà. Vous vérifiez bien que tout est présent. C'est jamais. Voilà. Donc, une fois que tout est présent, on se retrouve sur la Wii. Donc pour voir si ça fonctionne. Après que ça a fonctionné, je vais vous expliquer quelques fonctionnalités assez importantes à savoir dans le USB Loader GX. Et on se retrouve après pour la quatrième partie. Donc qui consiste tout simplement à pouvoir donc prendre une ISO Wii et à pouvoir la transformer de façon à ce que l'USB Loader GX puisse la lire. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà sur la Wii. Donc de nouveau. Vous allez dans le Lambon Channel, vous faites démarrer. Voilà. Et si tout s'est bien passé dans la partie précédente, normalement, voilà. Vous voyez USB Loader GX, vous cliquez et vous faites charger. Voilà, vous attendez un petit moment. Enfin, ça dure 2 secondes en même temps. Voilà, donc là, vous patientez. Loading System Resource. Final Loading. Ah oui, merde. Merde. C'est pas grave. Faites B. Alors voilà. Donc là, vous voyez périphérique USB introuvable. Passage du loader en mode chaîne. Faites OK. Voilà. Et voilà, donc ça marche. Donc là, en fait, ça vous indique les chaînes. Parce qu'il n'y a pas de. Il ne trouve pas de périphérique avec lequel il y a un jeu dessus. Là, c'est pas grave, vous allez dans Options. Donc là, vous voyez Configuration GUI. Donc là, voilà, vous vérifiez que la langue est française. De toute façon, la langue française a été indiquée au début. Donc là, après, je crois que c'est bon. Dans les fonctionnalités, je vais voir s'il y a quelque chose qui est pratique. Non, enfin bon. C'est bon. Donc là, voilà. Ah si, faites mise à jour. Si. Vous allez dans Mise à jour. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mise à. Putain. Je suis pas en face de la Wii, donc je sais pas trop. Mise à jour. Donc là, il vous dit choix de la mise à jour. Vous allez dans USB Loader GX. Et voilà. Pas de nouvelle mise à jour. Donc vous essayez ça pour chaque. Pour chaque fichier. Voilà. Donc là, il y en a une de mise à jour. Vous avez vu que là, il y en a une. Donc je la fais. Voilà. Donc la mise à jour est finie, le USB Loader GX va rebooter normalement, il est censé, je sais plus si... Non. Vous attendez un petit peu. Voilà, mise à jour terminée. Là vous vérifiez encore une fois, fichier de langue, vérifiez s'il y a une mise à jour. Mise à jour terminée. Voilà, une fois toutes les mises à jour terminées, donc là il y a des thèmes téléchargeables, mais ne téléchargez pas, je vous conseille pas, parce qu'après ça fait bugger. Maintenant je vais vous montrer la dernière partie. Donc, je vais faire la dernière partie, comment mettre les jeux Wii sur votre Wii. Après, vous pouvez mettre les jeux GameCube, mais je sais pas si je vous mets le tutoriel dans la description. Allez, oui, je vous le mets. Allez, à tout de suite pour la dernière partie. Donc, nous voilà enfin pour la dernière partie. Donc, la dernière partie va consister à aller sur le Wii Backup Manager. Donc le backup, oui, backup manager, je sais plus, je l'ai téléchargé, donc je vous ferai un lien à Mediafire. Donc vous démarrez selon la version de Windows que vous avez, donc la version 64 bytes ou la version 32 bytes. Bon, moi je démarre la version 64. Voilà, je fais oui. Et voilà. Donc là vous êtes ici, donc oui, backup manager, ça je le réduis. Et voilà, donc là vous arrivez ici. Et j'ai oublié de prendre ma clé USB, donc je vais prendre une clé USB. Donc nous revoilà donc avec ma clé USB. Donc, dedans j'ai des jeux. J'ai Kirby Adventure Wii, Mario Party 9, Sonic Riders of Graffiti, Super Paper Mario et Wii Play, je sais, c'est un peu bidon, mais je voulais essayer. Donc là, vous allez dans disque 1. Inactif, vous mettez sur disque E. Voilà. Donc là, ça vous indique ce qui est utilisé. Donc là, invalide, je vais peut-être le supprimer, non ? Non ? Enlever. Élément non valide. Oui. Voilà. Ok. Bah, apparemment, c'est censé me l'enlever. Bon. Donc là, vous tombez sur. Donc là, vous êtes. Bon, moi, j'ai déjà des jeux qui sont mis dedans. Donc là, il me reste. Donc là, j'ai utilisé 90% de mon espace de disque. Donc c'est une clé USB 8 Go que j'ai pris. Ma clé USB 32 Go, je l'ai pas sur moi. Donc là, vous faites. Vu qu'il ne reste plus rien, je sais pas si. Bon. Allez, j'en prends une autre. Non, j'en prends une autre. Voilà, c'est pas grave. On prend celle-là. Est-ce qu'elle va marcher? Je sais pas s'il y a beaucoup de choses dessus. Voilà.
Donc là, vous mettez. Donc dans le disque 1, vous mettez. Disque, donc moi c'est H, il me semble. Ce disque, et là il va vous dire ce disque est valide, mais il n'y a pas de dossier WBFS. Le créer maintenant, en fait, oui. Voilà, vous patientez. Et là, vous voyez 36,47%. Bon, là, c'est le. C'est le disque, ça, c'est ce qui est utilisé. Vous allez dans le fichier. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Vous formatez votre clé USB en FAT32, à tout prix. Et vous la formatez aussi, vous allez dans. Vous la formatez en 64 kilooctets. Donc, vaut mieux avoir une clé USB récente pour pouvoir la formater en 64 kilooctets. Moi, celle-là, elle va jusqu'à 32 kilooctets, mais qu'importe, parce que c'est pour le tutoriel. Si vous la formaterez en 64 kilooctets, ça ira plus vite. Donc les jeux ne rameront pas, ça sera exactement pareil que si vous achetez le disque. En 32 kilooctets, vous risquez d'avoir des chargements, allez, une seconde plus long, c'est tout. Mais aucun autre malus. Donc c'est pas la mort. Mais là, c'est vu que c'est juste pour le tuto. Après ça, vous allez dans fichier, vous faites ajouter fichier. Donc moi, je vais chercher l'ISO de jeu. Imaginons, je vais ajouter Mario Party 9. Donc là, vous allez là, vous cochez ceci. Vous faites transférer disque 1. Et voilà. Voilà. Donc vous pouvez ajouter des ISO, donc des fichiers ISO de Wii, ou des fichiers WBFS aussi. Donc vous pouvez ajouter les deux. Ensuite, donc là, vous les voyez là, et vous faites transférer disque 1. Donc voilà, moi, ça va se rajouter. Hein. Bon, vu que c'est une clé USB assez ancienne, donc de 4 Go assez ancienne, elle met du temps à copier, mais celle de 32 Go et celle de 8 Go vont 10 fois plus vite. Là, ça copie à 8 MO et celle de 8 Go et de 32 Go copie, je crois, à 20 MO, je crois, à la seconde, donc ça va 10 fois plus vite. Allez. Voilà, donc là, je vous reprends une fois que c'est prêt sur la Wii. Quoique, non. On attend jusqu'au bout, sinon c'est presque fini. Putain, estimé 3, 2, 1. C'est fini. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à aller voir sur la Wii si ça marche ou pas. A tout de suite. Thank you.